Ouais, voilà. Bon, alors, les Envisions contre les IMG. Et il y a 0-0. Je sais pas quelle map c'est. Enfin, on va sûrement nous le dire après. Allez, Jam, côté Envision qui attaque, qui a déjà fait le premier kill sur Nico. La décale sur le joueur au niveau du pôle en mode Jam qui ne passe pas. Et il va chercher directement la confrontation contre les deux derniers joueurs. Il lui reste plus que deux points d'armure. Il prend une roquette. Et la deuxième roquette de la part de Paternity. T'as Malou qui a remarqué ton costard. Attention. Hey. Elle est morte sur toute manière. Allez, pour Ostags, on va voir comment ça va se passer côté Envision. Et c'est bien la première map, hein. Au moins on n'a rien loupé, on est arrivé à 0-0, première map. OP, OP, quoi, comme d'habitude. Crusader TV est toujours là où il faut. Allez! Allez, la décale au niveau de la GA qui passe pas. Le repique au niveau du middle. Il n'arrive pas à trouver d'angle de tir pour l'instant, tag, même s'il fait bien bouger la défense. Hein. Oh, c'est dommage. C'était bien pensé. Belle roquette de Platinity du tout au fond là-bas. Et dernière roquette de la part de Nakanaka. Nakanaka. Trop rapide, trop rapide. Tu vois. Ah, il est trop rapide. Désolé. Hein. Et une nouvelle équipe on l'a eu, on dirait bien, côté IMG, avec Nico qui, je sais plus dans quelle équipe il était, mais il était dans une équipe. Ça, je saurais plus te dire c'est sur quelle équipe, mais il était dans une équipe pas mauvaise du tout. Le nom, ça me revient pas du tout là. Et on a Platernity qui jouait avec qui déjà avec les Waiting, je crois, à un moment. Bah, il jouait avec eux et Naka qui a toujours été là. Allez, Lem en duel face à Naka. Naka qui met une roquette et qui tombe sous le coup de raid. Deuxième roquette de la Paternity. Bel arrêt de Ilem. La décale qui passe pas. Allez, Lem qui fait un petit move pour le middle pour trouver une solution. Le bumper qui est pris. La mort, peut-être. Non, pas la mort du bumper, mais la mort du petit saut. Ah, voilà, il était chez Rougness. Merci, Tamalou. Ah, c'est comme moi quand je regardais l'Aero Squid, ma mère elle vient, elle fait bah c'est à quelle chaîne ça? Je sais pas, c'est pas la chaîne. C'était branché sur ma télé, elle trouvait c'était la télé. Elle fait mais diffuse ça la télé.
4, 2, 1, Jam d'attaquer pour les ambitions. Il faudrait qu'ils arrivent à mettre son attaque maintenant pour recoller au score. Toujours cette petite attaque de retard. Allez. Oh, le petit move là qui était à moitié réussi, je crois. Et qui n'a pas vu le kill fait sur le choix. Alors au niveau du muret, mais là ça passe. Le Nico qui prend une. Un plutôt headshot de ouf. Hein. Il a pris cher hein, quand même. Faut le dire. Naka qui anticipe le mouvement du joueur avec le sound. Jam qui essaie de trouver une solution. Pour l'instant, il voit Platinity au fond. Ah, le joueur Naka là, qui n'avait pas vu. Et Jam l'avait vu. Il n'y a plus le pré-shot à moitié. Assez rapidement, le kill sur Platinity. Platinity qui met double hit rapidement. Mais n'a plus de roquette et meurt. Il meurt, il perd le round, le cap du joueur allemand. Non, ça va manquer là, héros. Ça va manquer là, héros, voilà là. Ah bah oui. Ah. Et oui, pour une première map, on a un match quand même serré. Hein. On voit que au niveau des attaques et au niveau de la défense s'est tendu des deux côtés. On va voir comment ça va évoluer. Stags qui part à l'attaque. S'il met son attaque maintenant, ça serait vraiment bien pour son équipe pour donner l'avantage au bon moment. Ça, c'est clair et net. Et Stags qui fait la décale sur le joueur au niveau. Bah, derrière, qui est au niveau de derrière du BP, hein, du pôle. C'est Platinity, Stax qui fait la décale sur la GA, sur Naka, qui passe pas loin, il va le chercher totalement en contact, non, il fait un petit move, ah, c'est bien joué, Naka qui s'est fait avoir totalement, Stax qui revient au niveau du middle, il y a toujours un joueur au niveau du muret, il va prendre le bumper en belle roquette de la part de Nico, il va aller chercher le coup de rail en pré-shot qui passe pas sur Nico, cette fois-ci, ça passe, Nico qui s'était un peu trop montré, et 1v1, le petit move comme ça qui est tendu, le coup de rail qui passe pas loin, il reste plus que 2 secondes, le kill qui doit être fait, le Blaternity qui s'est sauvé, on l'a entendu. On l'a entendu. Finir hein, tranquillement, si on peut dire. On part maintenant sur une autre map. On connaît pas encore les maps. Si c'est celle-là, ce serait cool. Rust V4 qui est une très bonne map. J'aime bien en tout cas. Et on peut voir des très belles choses. Niveau attaque et défense, puis le niveau défense, elle n'est pas facile à défendre. Mais niveau attaque, quand on voit une attaque, en général, c'est spectaculaire.
Ouais, c'est clair. Bon, en attendant, je vais faire un petit refresh. Oui, attaque first. Ok, les Aera Gaming qui l'ont battu, les Crazy User, les Epsilon qui l'ont battu, les Noidea, ce qui était normal. On l'avait vu, et les autres matchs ne sont pas encore finis. Alors, Naka qui attaque pour les... Oh oh. Ah, vraiment dommage, hein. Il y avait bien de la durée pourtant. Mais ça n'est pas passé. Dommage à lui, hein. On va voir maintenant avec Jam. Ouais, Naka qui est en mode pivot en fait, c'est l'attaquant va devoir faire attention tout le temps à lui. C'est pour ça que l'attaquant va aller chercher directement le kill et c'est fait directement sur Naka qui a pas eu le temps réellement de réagir. Maintenant, le joueur Nico qui est pas très bien placé, la preuve, il se replace directement, il le savait. Et dans le noir, on voit presque plus rien là. C'est chaud. Au niveau du pôle, il y a de l'ombre, le poteau qui fait de l'ombre au joueur. Il est quand même au niveau du pôle. Non, au final, il va chercher le joueur qui était plus reculé. Et là, il fait un peu plus soleil. Et il fait le kill. Et il va aller cap le pôle en faisant le frag. Parce que Platinity lui met deux belles roquettes quand même. Et oh. Ah, comme je t'ai dit, s'il va pas chercher directement le kill à droite, après le joueur de derrière peut tirer des roquettes et l'adversaire n'est pas du tout en confiance quand il avance. Et comme on a pu le voir, l'attaquant se retourne, il se remet devant lui, il prend double roquette instant. Alors voilà. Indem qui passe directement au niveau de la gauche, il attend la décale de Paternity. Et si on regarde Naka qui est en mode sneaky, qui fait le tour, Naka qui est en train de prendre le dos. Indem, je sais pas s'il va l'entendre Paternity, faut qu'il arrive à le bloquer là, faut pas qu'il arrive à repartir. Et là Naka qui arrive dans le dos, qui met qu'une roquette, ah, vraiment dommage. De la part du joueur DIMG. Ah, DOMG, c'est pareil, parce qu'il a vraiment fail. La décale sur Platinity qui passe pas. Ah, il est encore en contact là. L'un des joueurs, il faut aller au niveau du pôle. Oh, heureusement. Heureusement qu'il y a double hit instant. Ah, et franchement, dommage Naka qui a bien fait de faire son petit move en mode sneaky, mais qui est pas passé. Il s'est un peu loupé. Ah, et les Envisions qui reprennent leur première défense. Oh là là! Choco, chaud, chaud, chaud. Très très chaud quand même, hein, ça faut le dire. On va voir maintenant si Stags arrive à redonner l'avantage à son équipe. Et on rappelle, Jam a émis directement la pression sur les adversaires en mettant la première attaque. Et la première map a été gagnée par les IMG. EU, les Envisions qui doivent mettre cette attaque. Nalka qui est encore au contact, hein. On le voit. Stags au duel avec le joueur au niveau de la grille, ah, le coup de rail qui est loupé.
Faut vraiment l'éliminer, hein, ce joueur-là. Si tu l'élimines, t'es vraiment bien. Le petit wall jump, mais il a été anticipé par le défenseur au niveau de la grille. C'est Ak qui décide de passer quand même. Et on va voir, hein, il va pas être confiant. Naka qui met tout le temps des petits coups de rail, mais qui, des roquettes, mais qui est tombé. Stags qui a le champ libre au niveau du pôle et il le sait. Il y va directement. Oh là là, triple hit. Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais fait le kill au niveau du pôle. Il aurait pu se protéger de la gauche. Mais Naka lui a mis un petit hit et 8% du cap du pôle. C'était mettanté quand même de la part du joueur d'Envy. Je suis mort! Caché, hein. Il est caché devant lui. Ah. Ouais, quand t'es en 1v1, c'est clair que c'est pas facile du tout. Oh, désolé, Jam qui part à l'attaque pour les Envision. Tout à l'heure, il a mis son attaque, une très belle attaque. On va voir si il réitère. Oh, premier kill qui est fait. Naka qui est en train de back, hein, on l'a vu. Son adversaire aussi l'a vu. Il est devant lui, juste devant lui là. Ah, Naka, il était free, il l'a pas vu. Il a vu qu'après avoir tiré. Là, on l'a vu, il y a eu un petit bug avec la roquette qui est arrivée dans son dos. Et on a vu à travers le mur Naka qui était. Où il était positionné. Naka qui loupe pas mal de roquettes. Jam qui décide de passer. Ah là, le coup de raid qui est loupé. En plus, il prend une roquette au passage. Il faut trouver des solutions là pour Jam. Jam qui se retrouve un peu bloqué. Et en essayant de revenir, il prend la dernière roquette de la part de Naka. Et les IMG qui sont peut-être à leur round de victoire. Jouer. Oh. Showtime. C'est vraiment chaud. On va voir, oui, justement, si Lem arrive à mettre son attaque, il doit la mettre, sinon son équipe est éliminée. L'envision que qui s'arrêterait directement dans leur parcours pour cette cup. Là, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a Naka qui refait le tour. Hein. Je l'ai vu sur l'écran là. Je l'ai vu passer à droite, Naka. Là, il aime qu'il le sait pas, à mon avis. Mais qui s'éloigne bien. Hein. Il a bien fait d'aller par là, là il doit s'en douter normalement. Que Naka est par là. Il fait semblant d'avancer, il revient sur ses pas, il cherche après la décale. Alors là c'est tendu, il n'y a plus de temps. Et il va devoir faire l'équilibre, il va directement au niveau du pôle. Il commence à cap le pôle. Oh là là! La Naka et Platinity qui reste solide au niveau du pôle. Et la victoire des IMG, dommage pour les Envision qui se font éliminer. Alors, c'est clair. Alors, Cover My Ass, qu'ils ont gagné contre les EPZ. Je sais pas qui c'est. Et là, on a un petit Epsilon contre IMG. Oui, le match ben pour après, là, le match qui va. Le huitième de finale, si je me trompe pas. Oui, le huitième de finale. On va avoir ce match-là. Oui, les
Clover, Mile A, Cydia, LZ, Krypton et Malak. Ouais, on va aller voir pour trouver ça, hein, mon cher ami. Alors. Ah, ça fait beaucoup d'amis, hein, quand même. Alors, ouais. Ok, bon, j'ai le serveur, et ça va pas tarder, à mon avis. Le password, je sais pas si tu t'en souviens, c'est un passeport spécial pour nous. Je sais pas si tu vois lequel. T'as compris? Impeccable, alors. Ouais, les joueurs sont gentils, ils nous mettent des passwords exprès pour nous, en spec, comme ça on n'a pas de problème à les trouver. Vraiment, je tire. Alors, côté IMG, Epsilon 2-1, pour l'Epsilon, il y a dû avoir une attaque. Oh là, beaucoup d'attaques. Alors, et là, Simon qui se fait éliminer au niveau du pôle. Les Epsilon qui gagnent 3-1 et il y a dû être chaud le match, hein, dès le début. Regarde, fais un petit tab, quand tu le verras. Il n'y a qu'une attaque qui a été loupée. Ouais, ça picote. Alors, Spitfire, oui, une des nouvelles maps qui est bien, qui est pas facile à défendre, mais du coup n'est pas facile non plus à attaquer. C'est un peu équilibré à mon avis. Et ce cas qui demande si t'avais rencard. Allez, Evil qui prend une première roquette, une deuxième roquette plutôt, et la troisième par Viking. Viking, solide, hein, comme d'habitude, hein. Quand on regarde, quand on voit le tab, on fait ok, quoi. Ça va, quoi. Oh. Il a fait un bisou, une roquette. Il peut le faire, hein. Oui, balle de map. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, Kalenge qui attaque. On va voir s'il arrive à sauver son équipe, hein. Mais les options qui ont vraiment l'air en forme, hein. Une attaque pour chaque joueur. Donc Allen qui loupe son coup de rail, un peu surpris de la position de Viking, on aurait dit. Parce qu'elle était visible d'avant. Allen qui va faire la décale sur le joueur qui est au niveau du spawn, mais que ça ne passe pas. Beaucoup de rail directement, première attention sur Viking. Oh là là, encore une fois, c'est vraiment bien joué. Un petit Nucleus. Il reste plus que Stern. Stern va-t-il le faire? Et le coup de rail qui passe à ras du pôle. Énorme attaque.
comeback. Et Kalen, quand même, qui carry son équipe, hein. Pour l'instant, voilà quoi, c'est une touche de l'attaque. On va voir si Simon arrive à revenir, que son coéquipier a donné le mental. Il leur reste. Bah, c'est encore une balle de map hein, pour les Epsilon. Alors, c'est pas fini. J'aurais pas maté le replay. J'aurais bien maté. Ah ouais, mais il n'y a pas la fonction replay. D'accord. Alors, Simon qui cherche après la décale. Les roquettes qui passent pas très loin. Simon qui prend la première roquette de la part de Stern. La deuxième de la part de Stern. S'attendait pas à en avoir une deuxième. Comme là. Et là 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 là. Stern qui fait le festival. Demain, on stream les IPL. Demain, si on stream les IPL ou pas, on doit. Normalement, oui. Mais à voir. Comme on dit, à voir, hein, voilà. Bah, la GA, nous, on nous a pas proposé, alors. Après, faudrait peut-être qu'on aille demander, mais à mon avis, non. Pour l'instant, non, en tout cas. On ira faire du CSGO si on dérange. À part si on a l'info d'une cup. En stream exclusif, quoi. Le Fnatic, ça serait un stream exclusif quoi en FR parce qu'il y a plusieurs langues quoi normal. Ça serait nous les exclusifs en FR. Alors on va bien voir. Mais là j'ai pour l'instant non. On n'est pas venu nous voir. On n'a pas demandé. Alors non. Ça serait sympa, mais non. Clair. Allez! Arrête de piquer mes phrases. Il pique mes phrases, il m'énerve. Allez, Kalen qui attaque pour les IMG. On va voir comment ça va se passer pour eux. Alors, il monte direct là, Kalen. La décale sur au niveau du pôle qui passe pas. Il va aller chercher The King Boost et fils. Au final, il va chercher une roquette. Oh là là, Stern qui est bien dans des positions comme ça, il a l'air d'apprécier les trucs comme ça resserrés. Et The King qui met la dernière, une roquette de chaque joueur. Vraiment bien joué. Ouais. Ah, pour l'attaquant, elle est vraiment dure, mais quand il y a une attaque qui passe, papa, il y a le premier coup de rail qui passe à rien du tout. Hein. Et là, je sais pas s'ils connaissent les joueurs qu'on peut monter devant la grille assez facilement. Une belle requête de la part de ses fils sur Simon. Alors Simon qui revient, la décale tranquillement, il prend son temps. Stern qui est au contact, il met une et deux roquettes de la part de Stern. 2 à 1 pour les Psyllons qui sont bien là quand même, ils sont bien partis sur cette map. On le voit. Wesh cousin, wesh cousin, bien ou quoi? Oh.
Elle aurait pu l'esquiver, hein. Réflexe. Mais non! Oh là là, couvrez, elle a 10 cm, ça se rapproche, hein, depuis tout à l'heure, au niveau des langrées. Allez, ville qui vit. Un petit wall jump. Oh, c'est dommage, Stern. Ils le savent que Stern n'est pas loin du. Comment on peut appeler ça? Du chapiteau. Hop, voilà, le chapiteau. C'est vrai, hein, chapiteau, cahute, voilà quoi. Ah, cahute, c'est compliqué quoi. Chapiteau, ça fait mieux, tu vois, quand même. C'est plus. Ou la tente. Ouais, la tente. Ah, la Quechua. Le Quechua, voilà. Niveau de Quechua, c'est trop dur à dire, Quechua. La tente, c'est mieux. Allez, ville en duel contre Cisterne et. Bah, contre tous les Xylon, et au final, tout le monde lui a mis une touche, de toute façon. Ouais. Et en tout cas, 2 à 3 là pour les Epsi. Allez, Stern, le wall jump. Oh, ça s'est bien joué. Enfin, un joueur qui prend de la hauteur. Ouais. Et là, tu disais côté droit qu'on pouvait peut-être prendre aussi de la hauteur. Ce serait à voir. Il faudra que je regarde en overview là. Ah, tu verras. Après, on vit même en vue libre. Tu regarderas vite fait. Peut-être à la fin ou quoi. Leur première touche là de Kalange sur Stern. Et ouais, il a Evil en face. Très bonne défense, je trouve, là, de la part des IMG avec un défenseur, ce petit muret. Même si Stern fait l'élimination sur Kalange. Et là, Evil qui était vraiment mal. Oh, oh! Très mal. Allez, c'est fait. Oh, poutoutou. Ils sont joués au jeu de la chat et de la souris, là, les deux. En tout cas, c'est bien fait, là, pour Stern. Oh, patate! Oh, patate! Ah ouais. Oh, celui-là, ah. Il fallait le mettre. Aïe, aïe, aïe. Il y a un autre truc qui voulait sortir, un autre mot. Ouah, patate, hein. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ouah, patate. Ouah, la 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 grosse patate. Non, j'y vais, voilà, c'était pour rester correct, pour pas dire autre chose. Allez, Kalen qui attaque. Pourtant, il est vide, il l'a dit, hein, le mot. Ouais, il l'a dit, j'avoue. Avec Allen qui attaque, il a déjà pris une première requête en pré-shot, je crois, par Viking. Si je me trompe pas, Allen qui passe au niveau de la gauche et remonte tranquillement, mais elle est dure en attaque, hein, on la voit. Quand il faut lui mettre une attaque, c'est une attaque de malade, comme l'a montré Stern. Viking qui a été grillé, il croit qu'il a pas été grillé, mais au final, si, mais il décale au bon moment et met double requête à son adversaire. On commence à avoir des beaux matchs, hein, quand même. C'est sympa. Ben, les joueurs, ouais, voilà, ça va faire plus d'une semaine, une semaine et demie, une semaine là, qui torchent les maps. Donc ouais, on commence vraiment à avoir des joueurs qui maîtrisent les maps. Heureusement que ce claquage requête là, de la part de The King, qui lui sauve son deuxième point d'armure. En tout cas, très bien joué de la part de Kalange là sur cette première touche. Et la deuxième touche dit MG Simon, oh bah, la dernière de Kalange. Il n'aura pas le temps de tirer en fait. Ouais, The King là qui aura juste fait un petit claquage roquette là, et c'est tout. Ah, c'est très difficile, hein. Il faudrait peut-être voir à partir directement sur les côtés droit ou gauche de la map au lieu d'insister au middle là. Ah, gauche quand il passe à gauche. Regarde là, en fait, si tu te mets contre le mur, voilà, hop, ouais. Pour monter. Eh oui, eh oui. Pas beaucoup de monde qui connaît son dirait ce jeu. C'est la première fois qu'on le voit depuis tout à l'heure. Et oh là là, Simon qui met un coup de drain énorme sur The King. N'oubliez pas, c'est le. Peut-être le dernier round. Simon est obligé de mettre son attaque, sinon son équipe perdra la map et donc le match. Hein, comme ils ont perdu la première map, Simon qui fait le tour et le tour. Et une roquette qui passe pas loin encore, pas loin là. Faire attention au pré-shot. Cherche Simon qui va repasser au niveau du middle. La décale, c'est Fils qui met à hit, c'est Fils qui va mettre les deux derniers avec Stern. Bien joué, regarde vite. Ah bah non, on peut plus voir, je crois. Ah si, si on peut voir vite fait. Ah, quand tu rappuies sur table, tu montes sur le pont. Et en faisant un wall jump, tu peux monter tout en ah haut. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. D'accord, ouais, ouais. Ah mais comment tu fais pour monter sur l'arche middle la fin... Comme a fait Stern. Ah oui, 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 ok. Ouais, 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 d'accord. Ouais, ça serait à tenter, ouais. Eh oui, ça serait vraiment à tenter, hein. Et c'est comme, je sais plus qui c'était, Zacubus, qui avait fait sur le côté gauche de la map un petit wall jump pareil pour monter, prendre la hauteur. Il avait pas réussi. Il était resté bloqué, mais pareil, là aussi. C'est des petits moves à tenter. Je retrouvais l'ancien mode. Eh, et en bas à gauche maintenant. De recherche intérieure. Et en bas à gauche. Il le cache partout quoi. Ah, il le change tout le temps de côté, tu vois, en mode sneaky le truc.
Ah, vas-y, on va voir s'ils suivent et tout. Alors, moi je ne participe pas, mais j'aime pas le laser. Oui, le rail. Bah, le rail, La rail, ouais. franchement, c'est une arme, l'arme la plus dure à utiliser. Moi, enfin, moi, j'avais plus de facilité au niveau du rail qu'à la roquette, quoi. Après, bon, voilà, Après, quoi. chacun le style. Hein. Après, Ouais, c'est le ça. rail, c'est vraiment instant. Tu dois être sur le mec pour le tuer. La roquette, c'est un peu en pré-shot. Moi, j'étais carrément meilleur à la roquette qu'au rail. Au rail, quand je mettais une attaque, en général, je savais pas comment je faisais, quoi. Mais voilà quoi, c'est clair que des sacrés coups de rail, hein. On peut mettre là, comme on a pu le voir, c'est vraiment au. Donc, vous avez du Mazar CSM contre Free Agent, du Avenue eSport contre Roughnecks qui. Et quoi, le Team Infusion? Ah, les Belkés qui ont perdu 2-1 contre les Free Agents. Ah ouais. Comme Ok. quoi, hein. Comme Alors, quoi, il y a de nouvelles équipes Sasuke. qui débarquent. Il nous demande de stream les IMG contre Webone. Et My Revenge contre 9-0 et Epsilon contre IMG, comme vous pouvez voir. Et IMG EU contre Web1, si on peut y aller, parce que je sais pas si le match a dû commencer là quand même. Je suis en train de regarder avec ma liste de contacts extraordinaires. Alors. Extraordinairement longue. Ouais, ça c'est surtout vrai. Par contre, attends, il y a une équipe que je voulais voir tout à l'heure. Je sais pas si elle a gagné, mais franchement, ça m'intéresserait de les voir. Ils sont où? Ils sont où? Caché. Ah, l'autre. C'était des Français. Ah, ils ont perdu. C'était les Mix French qui m'intéressait, c'est pas grave. Alors, Web1 contre IMG. Alors, Ouais, Crook, moi une Caravan, IMG. Mantra. Elles servent, mais je me demande si t'as le pass par contre. C'est quoi ça, comme ça? Ben, c'est le serveur SteelSeries et CFG Server, Web1 eSport Elite. Elles sont sur le serveur là. Ben, normalement, ouais. Alors je vais pas spammer les mots de passe, sinon je vais me faire avoir comme la dernière fois. Sert à rien. Sinon, on part sur notre match. Si on n'a pas le mot de passe, hein, ce sera pas notre Alors, je faute. m'en souviens plus de ce match, du pal du serveur là en fait. Qu'après le problème, si on teste trop de mots de passe, il va arriver un truc comme il m'est arrivé la dernière fois, c'est-à-dire que pendant au moins plus de 5 minutes, vous pouvez plus rejoindre le serveur. Donc bon, voilà, on va éviter de spammer les mots de passe. Ça serait un petit peu dommage. Suis en train de réfléchir, mais je m'en souviens pas. Sinon, Superstar Secret, Equal Team Infusion, Avenue Esport, Attends, Roughnecks. Sasuke est en train de voir pour le mode de passé. Au pire, Ok, sur IRC, je d'accord. pourrais le demander, mais j'ai la flemme. Alors. On va voir ça. Il est tout beau quand même, ce qu'il a. T'as vu, hein? J'ai la classe, hein, Il Costa. est sexy en costard, il faut le dire. La classe, j'avoue. Même moi, je me trouve classe, tu vois. Ah, Généralement, il y a des fringues, je me trouve pas classe dedans, mais là, j'avoue que je porte bien la veste de costard, quoi. bon, pas grave, Alors, on va on aller va pas perdre trop de voir. temps, tant pis, hein, si on peut pas voir ce match, au pire, voilà, une prochaine Les fois. Secret contre les Superstars. Ben, pourquoi pas. Voir ce Sasuke, que t'as. ça donne, là, les superstars qui ont vachement prague, donc ça serait pas mal de les Attends. voir pour voir ce qu'ils Ah donnent. ouais, c'était ça le passe. Merci. Ah ouais, j'avais oublié le W. Ouais, j'ai Toi oublié. aussi? Ouais, j'avais fait la fin, mais pas le début.
Alors, eh ben merci Soska, en tout cas, on est parti. Tout de suite. Fais pas. Ouais, putain, chaque fois ça aussi. Ah, je crois que c'est la fin là, il me semble. Vu que 5 joueurs, au premier abord. Il manque la cravate quand même. Bah ça dépend, après là c'est costard des contracts. Une cravate rose, tu vois, c'était bien avec une belle cravate toute rose. Je sais pas, ça Oh, tirait bien. rose? Ouais, Ouais, je sais pas. possible. Oh, Oh, un lag, j'ai c'est eu un lag chez moi. Ouais, moi aussi. Lag et kill, comme ça c'est fait. Je vais vous mettre quand même le jeu en grand écran, ce sera toujours plus appréciable pour vous. Et Mayhem qui se fait sortir, en tout cas 5 à 1 pour les IMG. Oh, ça allait un petit peu vite là, 5 à 1 d'entrée de game. 3 attaques là. 3 attaques pour les IMG, Ça une coule. là pour les Web1. Ouais, là ça fait mal, hein. Les IMG qui sont chauds. Alors, ben, je vais prendre les IMG, puis je te laisse les Web1. Vas-y. On parle sur l'IRC, mais j'ai pas tout compris. Alors, Naka qui passait côté gauche. Vite fait, vous avez vu la défense. Oh, le kill qui est fait sur Greg. L'ai même pas Ah vu. là Je l'ai là, même pas vu. ça a été fast, ça a été super fast de la part de Naka. Naka, ouais, Naka, et je vous. Allez, 3 points d'armure de défenseur, 8 secondes avant de pouvoir s'élancer sur le pôle. Il l'a vu là, le Mayams, il l'a vu le Khan. Mayams qui était mal placé, Khan qui est au niveau du pylône et qui va se faire avoir là sur le saut. Eh ouais, 6 à 1, première map, je suppose. Première map gagnée par les IMG, vraiment largement. 4 attaques à une, Rapidement. ça fait vraiment mal. En tout cas, on part sur Spitfire. Mais c'est bien de voir beaucoup d'attaques hein, sur les nouvelles Ouais. maps, etc. C'est les maps elles sont plus élaborées pour beaucoup d'attaques. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, Spitfire, une map ouais, que j'apprécie pas mal. Je la trouve, en fait, c'est l'une des nouvelles maps la plus, pour moi, la plus équilibrée, je trouve. Autant pour l'attaque que pour la DF. Ouais, qui reste un peu chaude quand même, hein. Celle d'avant, moi non, une de ceux qui est vraiment bien, je trouve, c'est Merde. Merde, je me souviens plus du nom. Je me souviens plus du Voilà. nom. On n'a pas encore les noms en tête, ouais, j'avoue. Moi, Ah. j'ai pas encore tous les noms en tête, ouais. Bon, c'est pas grave, je vais Pas le grave. retrouver, hein. C'est pas grave, je vais le retrouver. Hein. De toute Ça va te façon, quand revenir. on la verra, je le dirai au pire. Ah, voilà. Allez, thanks. Thanks. Seconde map. Allez, à toi avec Greg qui s'élance. Greg qui a fait. Oh, il y a quelqu'un! Ouais, j'ai entendu un petit truc là. Mais il y a quelqu'un qui a voulu me tirer dessus là! Dis donc! Hey Greg qui repasse tranquillement mieux! Il a essayé le petit pré-shot là dans l'encoche! Mais c'est pas passé loin! Eh, des mots là, l'encoche et tout! Comment ça s'appelle sur un château fort déjà, ce genre de... Une meurtrière, dans la Meurtrière, ouais! meurtrière. Ah, Ouais, bah ça là, s'appelle... Greg a failli se faire meurtrir! Hein. Et là c'est fait, il Ouais. s'est fait défoncer même! Triple hit instant, 2 de Naka et 1 de la part de Gourlay et de Gleg, c'est-à-dire de Nico. Ah, Greg là qui a insisté à passer au middle et bon c'était un petit peu fermé là. Un peu chaud pour lui. Naka maintenant. Ouh, Oh Naka qui a pris une le sacrée pied! vitesse là. Sacrée vitesse sur Khan, non ça rentre pas. Enfin, j'ai pas vu, oui je crois que c'est Khan, oui c'est bien Khan, il a Mayhems à la grille à droite. Et Greg qui doit être au pad sur le pôle, en tout cas première touche là de Khan sur Naka, deuxième touche là. Naka qui a un peu les boules, ça se voit, il s'est arrêté, il s'est dit merde, j'en ai pris deux là, c'est quoi cette histoire? Allez, il faudrait pas perdre trop de temps Naka. Le duel là, Naka, Khan. Et ouais, et là c'est un petit peu dommage. Naka qui se fait éliminer par Khan. Hein, partout. Ah, elle a pris vraiment beaucoup de vitesse hein, dès le début. Ouais, car il a bien Je me utilisé la rappelle stamina là. une photo que j'ai vue, un canard qui s'est fait prendre à 64 km/h. Vraiment rapide le canard. Radar à 64 km/h. J'avoue, putain. Paye ton canard de compète. T'as vu? Allez, Khan qui attaque
pour les Web One. C'est la seconde map. Hein. Ouais, la seconde map. Pour la première qui a été gagnée largement par les DMG. Ouais, ça a 4 à 5 à 1. Et la canne qui n'arrive pas à trouver la solution pour l'instant, il prend la dernière roquette 2 à 1 pour les IMG qui sont bien partis. Ouais, canne et Greg là qui insiste, middle. Un peu dommage, hein. C'est un peu un coupe-gorge middle, j'ai envie de dire, entre le pad qui est à gauche et puis les défenseurs qui sont positionnés pour faire du crossfire. Ah là là, et Platernity qui arrive à faire l'élimination sur Mayams, mais qui prend la touche là de Khan, Mayams et Greg d'ailleurs, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça, une touche chacune. Une touche chacun, chacun, ouais. Milieu, droite, gauche, bim bim bim, c'est fini. Ah, c'est vrai, ça va vite. Voilà. Là, pour l'instant, les rôles sont très rapides. Ah, il n'y a plus beaucoup de vitesse là, Mayams. Mayams qui a perdu toute sa vitesse dès le début. Faire attention, là je trouve que c'est un des meilleurs côtés pour avancer, mais faire attention à la remontée en fait. Surtout. Ouais, il y a le pad en face de vous là. Il y a le pad, il y a tellement de préchettes qui sont possibles à la preuve de là. Et là, encore une fois, vous avez vu Naka qui met double 8. Oh là, oh, ah, il y a eu des colonnes hein, pour faire ce move là, encore une fois. C'est pas terrible de faire ça face à un pad. Hein. Bah, surtout que là, il lui restait quand même plus qu'un point d'armure, donc ouais, ah, c'était du kit ou double. Complètement kit ou double, et c'est dommage. En tout cas, 3 à 2 pour les IMG. Nico qui s'élance. En plein de vitesse là, mais ça reste. Bon pré-shoot de Khan. Khan qui tient bien sa pose là pour les Web One. Et deuxième touche, peut-être la troisième touche de Khan. Et Mayams qui vient aider son partenaire. Et 3 partout, pas encore d'attaque là. Assez difficile cette map. Mais en même temps là, il persiste un peu middle là. Il devrait. Y'a personne qui passe par la gauche hein, quand même. Ouais, côté gauche, côté droit, alors que côté gauche c'est pas mal aussi pour faire la décale sur le défenseur Paul. Pad pardon. C'est vraiment sympa. Sur ce côté pour l'instant et ça paye pas. Décale au niveau du pad qui passe pas. Greg tout à l'heure qui s'est fait défoncer. Hein. Tout à l'heure il s'est fait vraiment défoncer. Là, c'est la première attaque, on va voir comment ça se passait là. Ouh, le coup de rail qui est pas passé loin. De la part du joueur au niveau du pad. La décale sur Platernity, donc ton coup de rail, le défenseur aussi. Ah, c'est tendu là. Oh là là, il pouvait pas esquiver. Platernity qui met un coup de pad aussi au passage. Naka qui tombe sous le rail et Platernity qui met un hit shot à son adversaire. Ouais. Allez, Xi qui va mettre sa première attaque. Peut-être Naka. Alors, Naka, est-ce qu'il va réfléchir un peu? Est-ce qu'il va se dire, bon, mais ça sert à rien de passer middle? Eh ben non. Il a pas réfléchi, il fait la même chose, il prend une touche d'entrée de jeu là par Khan. Allez, les défenseurs là, il faudrait essayer de remonter vite, ils vont faire le back, tu aurais une possibilité d'en avoir un là comme Khan. Oh, et Khan qui se permet de lui mettre la seconde touche. Très très bien joué là, Khan qui domine vraiment bien là au niveau de la def. Et bon défenseur là, le Khan. Allez, Naka qui remonte, il a Khan à l'arbre et Greg sur le pad qui lui met la dernière touche, bien joué de la part de Greg. Et 4 partout. Il n'y a pas encore d'attaque là, c'est au premier qui va mettre son attaque là. Hein. Ça va être radical. Ah, là c'est serré, comparé à la première map où l'IMG dominait totalement. Ouais. Là c'est un peu plus dur. D'un côté c'est la map des Web One. Pas l'oublier. Qu'ils ont attaqué en premier, alors c'est leur map. Normal qu'ils soient un peu plus à l'aise dessus. Et Khan qui fait pas de bruit hein, en passant comme ça, sans trop se montrer, il cherche après les décales. Le pad, il l'a vu, il prend directement un coup de rail. Naka en face à face. Et pas de hit, c'est tendu. Oh, bien joué ça sur Naka. Mais Platernity qui encore à son pad qui fait vraiment mal. Hein. Il fait très très mal le Platernity. La décale au niveau du pôle qui passe pas, il va devoir y aller. Et deux joueurs qui sont au niveau du pôle, ils sont l'un derrière l'autre. Ah non, il y en a un qui a reculé. Et c'est Nico qui prend le coup de raid. Platernity qui est revenu au niveau du pôle. Le duel est encore bien joué. Liu et Brian qui passent devant. Ouais, première attaque là, de la part de Khan. Khan, ça me fait penser à un personnage dans Star Trek. La petite référence. En tout cas. Ben, c'est à Paternity de mettre son attaque là, s'il veut pas perdre sa map, cette map plutôt. 5 à 4 là, on le rappelle pour les Web One. Allez, Paternity sur Greg, Greg qui
arrive à lui mettre la première touche. Là, il a Mayams à l'arche, Paul. À l'arc du triomphe, je vais appeler ça, quoi. Allez. Eternity qui va essayer de faire la décale sur Greg. Là, il l'a entendu. C'était vraiment risqué, là. Et là, il prend une deuxième et une troisième touche de Khan et de Greg. Et la map qui est mise là pour les Web One. Hein, partout au niveau des maps. Ouais. Alors, sur quelle troisième map on va partir? Est-ce qu'on va partir encore sur une map IPL? Ça serait pas mal, on aurait vu trois maps IPL d'affilée. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, ça serait cool. Il y a rien que ça serait sympathique. Et trois maps, hein, je crois que c'est la première fois qu'on voit que trois maps dans un match. Je me trompe pas. Sauf Et peut-être Iron sur un des First. matchs là. Iron Fist. Le point diamant. Là, le point iron. Celle-là, elle est bien, De j'adore cette fer. map. Je sais pas pourquoi, elle est trop dure, mais j'adore. Elle est trop bien faite, je trouve. Vraiment, c'est vraiment une map très dure et c'est même du style que j'aime bien. Ouais, en fait on peut tout voir, hein, on peut tout voir sur cette map. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins l'attaquant est obligé de move rapidement s'il Et veut c'est faire des ça, choses en fait. voilà, c'est ça en fait, faut move extrêmement vite pour essayer de faire les décales, etc. Mais là, voilà quoi, c'est pour l'instant Ouais, ils je me n'ont pas suis au contrôle. rattrapé, héros. Je me suis rattrapé, j'ai dit fer après. J'ai dit diamant. J'ai dit diamant, j'ai dit fer après. Voyez, ouais, Iron Fist. Je vais t'en mettre un fils, tu vas voir. Oh! Iron Fist! T'imagines ou quoi? Enfin! Iron Fist, ça rappelle quand même l'Iron Squid hein, qui a eu lieu ce Ouais. week-end. Un Ouais, événement de j'avoue. ouf quand même. Hein. Ouais, Même gros si c'est pas événement ce week-end. du Shootmania, c'est vraiment le plus gros événement français pour moi. Comme. C'était un truc de fou. Franchement, c'était vraiment cool à regarder, quoi. Et là, par contre, Nico qui se fait C'est complètement pas cool à repousser. regarder aussi. Hein? Ouais, j'ai pas tout regardé moi. J'ai regardé une partie, après j'ai streamé, je pouvais pas. Et en tout cas, Nico, eh ben, qui n'aura pas fait grand-chose Ah mais là. je disais que Nico là c'était pas cool de la regarder vu comment il s'est fait défoncer. Ah, de la regarder. Ben oui. Allez Greg pour les Wewan qui attaquent. On va voir comment ça se passe pour lui. Pas directement à droite. Il cherche les décalés tranquille les moments. Le coup de rail qui passe pas. Allez Greg qui va chercher la décale sur le joueur à gauche là. Et au final, c'est pas trop quoi faire pour l'instant. Les joueurs qui sont bien placés côté IMG, il y avait Nico Street, mais il s'est pas fait niquer. Éliminé. Naka qui tombe sous le coup de Greg. Greg qui a un joueur à sa droite. Belle roquette de la part Ah, de ça va être Nico. dur. Nico Va être qui plutôt dur. essaye de faire la diff. Il va au niveau de la tendée, le kill qui est fait côté Greg. Ça n'est pas Là, Nico ça qu'on c'est garde. dur. What's your feet? Oh Et là. I see you teleporting. Y a que toi qui l'as vu se téléporter, Naka, je crois, parce que ça allait très bien. En tout cas. Ben voilà, Paternity direct d'entrée de round qui prend encore une première touche là. Ça fait mal. Ils ont complètement dominé sur la première map là et sur là j'ai l'impression les GMG ils ont cru que c'était facile. Attention, il faut se rattraper sur cette troisième, ça serait dommage là. Vu ce que vous avez mis sur la première et Khan qui se fait sortir là en voulant back le pôle. Mais nous avons Mayhem qui le revenge avec cette deuxième touche là sur Paternity. Alors Paternity côté droit. Ne remonter qu'au fond là-bas. Oh! Ça c'est bien fait de la part de Platernity. Greg, je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais en tout cas il s'est fait avoir. Et. Ah Oh mais non! Oh pour finir putain! comme ça, c'est Franchement, vraiment pitoyable. pour faire ça juste après là, Platernity, franchement c'est vraiment dommage quoi. Vraiment Oh là là, dommage. pitoyable. Dommage, dommage. Khan qui part à l'attaque pour les Web One. Web One. On va voir comment ça va se passer. Alors, Khan qui attend, hein. Tapis dans l'ombre. Tel un sneak. Un peu trop de temps là parce que là c'est. Oh ben. Ah bah au final il Bah aura perdu du ouais. temps pour une bonne chose. Hein. Ouais, je. L'Eternity s'est un peu montré, un peu trop montré. Naka qui fait, qui tombe plutôt. Il fait pas la diff, il tombe. Et là, Khan qui est bien quand même. Il aurait peut-être pas dû tirer. Nico qui arrive à revenir au niveau du pôle.
Et Nico qui tombe sous le coup d'oreille de son adversaire. Ouais, ouais, première attaque là pour les Web One. Attention là, les MG. Va falloir se sortir le Iron Fist. Hein, parce que là, franchement, ça va être dur. Si vous mettez. Enfin, si Naka met pas cette attaque, ça risque d'être cuit. La première map, ils ont vraiment dominé, mais là, ils sont dominés. Ah, complètement, là, c'est vraiment bizarre. En tout cas, voilà, Naka qui prend une première touche de Greg et qui va se faire rusher. Bon, ben, quand même, là, c'était un peu logique. Ce retour là. T'es pas à gauche que le move avait été tenté? À gauche? Ouais, si, là dans l'angle du mur, à gauche, là derrière. Ouais. Par Zacubus, ouais. Allez, Mayams en face de lui. Greg juste à côté qui lui met la deuxième touche. Et Naka qui se retrouve à un point d'armure contre deux défenseurs. Et maintenant, il n'a plus que 15 secondes. Oh, le kill fait sur Greg, ça c'est bien joué. Oh. Et Mayams qui venait le rusher et qui se fait avoir. Et Naka qui fait le taf et qui le fait au bon moment. 3 à 2. Très très bien. Là, il a dû se dire, Soutesse, mais tu cours sur qui? Ouais, j'avoue. Et Mayans qui prend une roquette d'entrée de la part de Nico, il s'avance au middle, la décale sur le joueur qui au niveau de la grille ne passe plus. Ah, il a loupé son move, c'est dommage, il leur tente et là ça passe sur Naka. Naka qui tombe, Mayans qui préfère reculer pour changer d'angle, mais là il a été vu par Nico. Nico qui l'a donné l'info. Chal qui part, Mayans qui va essayer de prendre de vitesse, mais il prend surtout une roquette au passage. Nico qui joue bien là, il joue vraiment très bien. Ça passe pour l'instant, on va continuer. Et là ça continue pas, il tombe sous le coup de raid de Mayans. Mayans qui va peut-être redonner l'avantage à ses coéquipiers, à son équipe. Ah, Platernity qui se... Ah non, il réussit. Oh là là, la roquette qui a bump son adversaire. Ah, c'était showtime. Ah ouais, mais n'importe là, ouais, quoi, je le voyais tellement cette attaque. Oh là là, Paternity, chanceux sur ce coup un petit peu. Ouais, si, il a bien dit ça à un moment. Il a bien dit ça, super, je crois, à un moment, il est niqué ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ah non, j'ai dit, il est niqué. Elle veut dire Naka, j'ai dit niqué, c'est tout. Allez, Nico, eh ben, qui prend une première touche dans le front de la part de Mayams, qui se fait repousser. Allez, Nico qui change de side et qui se fait complètement avoir là par Greg. Bien joué. Quand il attaque partout, 4 à 3 pour les Web One. Ça va être serré cette dernière map là. Oublie pas d'enlever en haut de te mettre en buzzer pour pas avoir les messages tout le temps. Ouais, mais j'y ai pas pensé parce que chaque fois il faut le faire. Et voilà. Non, faut, maintenant il n'y a plus besoin. Ah, c'est bon, ça s'arrête une fois. Ah, ben c'est bon, crème. Okay, je ferai la vidéo aussi à Elise, il l'a fait. Salut. M'écoute. Nickel. Eh, c'est bien Elise. Ouais, c'est cool. Allez, Greg qui prend une roquette, mais a fait le kill sur Naka quand même. Naka qui tombe souvent là depuis tout à l'heure. Et Platanity qui est au même endroit que lui. Et il tombe aussi. Greg se retrouve en 1v1 face à Nico. Pour redonner l'avantage au bon moment, il y a 4 à 3 et 5 à 3 pour les Web One. Très très bien joué là. Deuxième rappelle, attaque de Greg. C'est la dernière map. La dernière map qui est Iron Fist fait par un Canadien. Ouais, et là c'est la balle de match. Paternity qui a intérêt à rentrer son attaque s'il veut continuer dans ce TN là ce soir. Ah, Elite Series, j'ai du mal encore, je m'en souviens jamais. Number one. Elite Series Cup, number one. Ouh, la roquette qui passe juste au-dessus là, qui lui coupe les cheveux. Allez, il passe côté gauche, il va prendre un petit peu de hauteur. Oh, oh, Khan qui a tellement bien géré là. Double roquette de Khan, très très joli pré-shoot. Et là, Platernity qui se retrouve à un point d'armure contre trois défenseurs. Bisconde avant de pouvoir s'élancer sur le pôle. Et c'est la victoire là des Web One sur cette troisième map. C'est vraiment dommage là de la part des IMG. Je les voyais tellement solides au vu des premières de la première map là. C'est vraiment vraiment dommage.